Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui sur Mortal Kombat 11 et aujourd'hui on va découvrir le mode histoire. Donc j'ai fait un seul combat, c'est le premier, mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer. J'avais juste fait le premier combat donc on va recommencer de zéro. Et puis voilà, on va se faire plaisir sur Mortal Kombat les gars. Let's go baby. Que j'admets, Shinnok, c'est que ceux qui s'en prennent au royaume Terre ne méritent pas ma pitié. Je détruirai nos ennemis avant qu'ils ne nous détruisent, en commençant par toi. Et comment, Raiden? Même toi, tu ne peux pas tuer un dieu ancien. Il y a des destins pires que la mort. Je vais t'envoyer à Liu Kang et à tes sbires du Nether, en guise d'avertissement et de symbole de mon courroux. Ce n'était pas ta destinée, Shinnok. Une fois encore, le dieu du tonnerre a troublé l'équilibre de l'histoire. Mais sache-le, l'arc de l'univers se plie à ma guise. Ce n'est qu'une question de temps. Mortal Kombat 11, mon pote. Par contre, la tête de Shinnok, on peut dire que ça fait très The Walking Dead quand même. Bon allez, c'est qui part les enfants? Depuis 25 ans, les forces spéciales sont le glaive et le bouclier de la Terre. Nous avons repoussé Shao Kahn, Terras et Shinnok. Mais chacune de ces victoires nous a coûté. Le lieutenant Jackson Briggs vient d'être libéré de ses fonctions. Ses blessures, tant physiques que psychologiques, étaient devenues un poids trop lourd. Nous rendons hommage au père de Jackie,
ainsi qu'à son sacrifice, en accomplissant notre devoir. Défendre le Royaume Terre sans relâche. Sergent Cage, avancez-vous. Vos talents de meneuse et de guerrière vous valent d'être promu lieutenant. Mais ici, il n'y a pas de passe-droit qui tienne. Selon la tradition des forces spéciales, vous devez accomplir une dernière épreuve. Je dois botter le cul de mon commandant. Votre cul, commandant. Alors, très bien, sergent. Voyons de quoi vous êtes capable. J'adore ça. On est dans la scène cinématique direct, on vient dans le combat. Ça, c'est archi stylé. Bon, par contre, vous me faites pas attention, mais je suis pas très très fort hein, sur le jeu. Voilà, j'ai fait juste les tutos, qui sont galères d'ailleurs. Mais ah, saloperie. En plus, c'est sa mère en vrai. Sonya Blade, là, tu me saoules. Ah, la protection. La protection. La protection. Non. 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 La protection. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de me louper. Je vais te défoncer. Faut que je pense à me protéger, mais je le fais pas. Saloperie! Oh, une chope, ça passe. Encore un brise-noir. Putain, elle bouge pas en plus, hein, je suis vraiment nul. Mais casse-toi, Sonya! Non, elle m'a défoncé! Ah chacun son tour, chacun son tour. Je te pète la mâchoire, maman! Alors, fais-moi la maline, hein. Bon, allez, concentration, concentration. Prêt. Laisse tomber. Lieutenant Cage, au rapport, commandant. Félicitations, lieutenant. Papa Cage, maman Blade. Allez, papa. T'es obligé d'y aller? T'as ton devoir à accomplir, et moi j'ai le mien. Jouer dans une énième suite de Mime Ninja, c'est pas ce que j'appelle un devoir. Je dois me saigner pour maintenir le confort auquel je vous ai habitué. Arrêtez, je vois tout, là. Général Blade, Cassandra Cage. Oui, Raiden. Le Nether. On doit tenter le dialogue. Il y a peut-être une explication. Liu Kang et Kitana étaient des amis. Le mal de Shinnok les a irrémédiablement corrompus. Ce ne sont plus les champions que nous avons connus. Il faut lancer une attaque préventive. Il est temps qu'on aille les battre sur leur terrain. Quelle est la cible? La cathédrale de Shinnok enfouie dans les entrailles du château de Liu Kang et Kitana est la source de leur pouvoir. Détruisez-la, et la Terre n'aura plus à craindre leurs terribles armées de cadavres. Tes pouvoirs ne sont pas plus faibles dans le Nether? Si, mais j'aurai assez de force pour retenir l'armée de morts-vivants. Ça nous laisse du temps pour nous infiltrer dans la cathédrale et la détruire de l'intérieur. Si on se fait coincer là-dedans, on est cuit. Pour assurer la survie du Royaume Terre, on doit tous être prêts à se sacrifier.
Franchement, ça fait 2 ans que t'en fais les caisses avec ton look dépressif à pigner sur le sacrifice. Toi, t'as pas de famille à perdre. J'ai connu le deuil, Johnny Cage. Raiden a raison, Johnny. On n'est pas prêt pour une nouvelle guerre. Il faut neutraliser l'armée du Nether maintenant, avant que Liu Kang ne nous l'envoie. On est en position. Raiden a intérêt à nous pondre une bonne diversion. Reculez ! Vous subissez le courroux du protecteur du royaume Terre ! Si Raiden arrive jusque-là, éliminez-le. C'est Cabal, le grand brûlé? C'était bien le bras droit de Kenno avant. Te laisse pas avoir par ses blessures. Il est rapide. Supprime les Jade et lui. Je descends mettre en place le C4. Reçu.
tienne ta mère que t'es morte. Je vais te botter le cul de sa part, Cabal. Front. Tiens, bâtard. Bien joué. Tiens. Ah mais vas-y, il me saoule. Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Franchement stylé le mode histoire, hein, vraiment. C'est... T'es en mode histoire quoi, tu le sens mais c'est excellent. Ah vas-y, saoule. Dans les bolts. Ça te fait mal mon pote. Yes, yes, yes. Tu aurais mieux fait d'étaler. Jackie, où est Jeanne? Elle a filé, cherchait des renforts. Général, ça avance? Encore 10 minutes. Les colonnes porteuses sont plus espacées que prévu. Un coup de main? Négatif. Protégez nos arrières. Encore 10 minutes? Il fallait qu'on décampe au bout de 5. Ouais, ben là, on est dans la merde. On a du C4 en rab, non? Ouais, pourquoi? Eh ben, on va gagner du temps. Diversion. Ça va péter. Je n'ai pas oublié notre dernière rencontre, Temple Céleste. Ça va, tu cicatrises bien? Les démons sont archi stylés, ce serait cool de pouvoir en incarner un. Bon, par contre, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils bougent pas en face. Et pourtant, je suis en normal. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça, quoi. Je sais pas pourquoi ils sont pas si forts que ça. Après peut-être c'est de la chance, j'en sais rien, mais... On voit qu'ils bougent pas, quoi. Saloperie, lâche-moi! Par contre j'aurais peut-être dû mettre qu'un round parce que... C'est vrai que faire deux rounds à chaque fois ça va être chiant. Faudrait que je regarde ça.
saloperie. Ah merde, j'ai loupé. Là, le truc, c'est que j'ai juste fait les tutos, donc je suis pas super fort sur le jeu. Mais il y a moyen de faire des bons petits trucs, hein, en vrai. Mais il y a des enchaînements, laisse tomber. Ah, j'ai voulu me protéger par ici. Ça fait mal à la tête. Ah, ouais. Oh, saloperie. Putain. Attends, je vais juste regarder. Oh putain, on peut pas. On peut pas choisir le nombre de runes. C'est dommage. C'est dommage. Ça. Bon, je sais qu'on me voit pas trop, que je parle pas beaucoup. Mais voilà, je profite du mode histoire, donc voilà, excusez-moi. Cassandra Cage. Décidément, l'élu tombe bien bas. Raiden a raison. Je sais pas ce que Shinnok t'a fait, mais t'es une cause perdue. Il était tellement stylé avant Liu Kang. Ah, et ouais, c'est clair que les animations sont stylées, ça on peut pas dire le contraire. J'avoue. Après, Cassie Cage, c'est pas un personnage que je joue d'habitude, donc... Qu'est-ce que je fais? Bam! Dans ta gueule, mon gars! Lui percute, c'est tellement magnifique. Mais le jeu est très très beau, n'empêche. Hein. En fait, j'hésitais vraiment à le prendre, Mortal Kombat 11, parce que sur le 10, j'étais vraiment nul à chier. Même sur celui-là pour l'instant. Et je me suis dit, si je commence le jeu en m'entraînant vraiment, en faisant les tutos et tout, il y a moyen que voilà, je m'améliore. Et c'est ce qui arrive, je trouve, parce que d'habitude je sais pas enchaîner des cours, rien du tout. Et j'ai joué avec un pote la dernière fois et franchement ça va, j'en sortais plutôt bien. Bon, par contre, ouais, le niveau de... Comment dire, des bots là, enfin des mecs de l'histoire, c'est pas ça. Hein. Il y a un petit problème, je crois. Attends, je suis en normal, hein, c'est... Ok, le petit coup dans le ventre qui fait plaisir, ça passe, ta mon gars. Gueule. Ta gueule. Ah là là, Mortal Kombat, c'est... Général, vous m'entendez? Général, maman! Je suis là. Et moi, je vais y passer. Quoi? Pas question que je t'abandonne! Rapatrie ton équipe. C'est un ordre. C'est ton devoir. Le mien, c'est de finir cette mission. Maman, non! On peut le sauver! Je t'aime. T'embrasseras ton père pour moi. Maman, non, non! Maman! Maman! Trop tard, elle a lancé le compte à rebours. Annule la séquence, Yuki! On peut pas annuler. Descends! On a reçu l'ordre de partir. Oh.
Puissions-nous avoir la même chance? J'hallucine, tu peux pas avoir dit ça. Oh, vous êtes de retour. Mais comment la mission, c'est... Non. Vulnérable. Qui êtes-vous? Une déesse ancienne de Raiden qui vient nous railler? Non, Kitana. Je suis plus que ça. Admirez. Chronica, gardienne du temps. Les sables du temps guident le destin des royaumes et de toutes les âmes qu'ils abritent. Je les ai façonnés pour veiller à l'équilibre des mondes. Mais les actions de Raiden ont irrémédiablement altéré la pureté de mon œuvre. Une douleur que vous avez sentie passer tous les deux. Que peut-on y faire? Le passé reste du passé, pas vrai? Non, pas forcément. Je compte inverser le temps jusqu'au début de l'histoire, afin de tout recommencer. Même avec mes immenses pouvoirs, je ne peux pas lancer ce nouvel âge toute seule. En quoi ce nouvel âge sera différent? À bien des égards. Mais avant tout, sachez qu'il n'y aura pas de Raiden. Comment s'y prend-on? Eh bien écoutez mesdames et messieurs, moi je vais m'arrêter ici pour le mode histoire, je vais continuer peut-être un petit peu sur le multijoueur histoire de m'apprendre un petit peu plus à fight tout simplement, mais vraiment pour l'instant le mode histoire je le trouve sympa, il y a de l'émotion dans Mortal Kombat, c'est incroyable, non mais vraiment je trouve ça sympa, à continuer, après je sais pas, je vais en faire une rediff sur YouTube, donc je sais pas si les gens ont accroché, je ferai peut-être la suite. Si les gens n'accrochent pas, je ne ferai pas la suite en vidéo. Moi, je le ferai de mon côté, c'est pas grave. Mais j'accroche. Franchement, l'histoire, elle a l'air un peu plus travaillée quand même que sur le 10. Même si, voilà, Mortal Kombat, enfin, faire une histoire pour un jeu de combat, c'est un peu compliqué à chaque fois. Mais là, je sais pas, je trouve ça intéressant. En plus, ça déboîte de la gueule, quoi, j'ai envie de te dire. Et je sais pas, pareil, au niveau de... Comment dire, si je mets un seul round par dans le mode histoire, je pense que je vais mettre un seul round, parce que deux rounds, ça va être chiant. Et par contre, je sais pas si j'augmente la difficulté ou pas, parce que peut-être là c'est le début, c'est simple. Parce que là j'avais vraiment l'impression qu'il bougeait pas. Hein. Déjà que je suis pas très bon sur le jeu, alors si j'arrive à les battre, je sais pas, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre là, au niveau de l'IA. Mais bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vais continuer avec le multi là. Et puis ben, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Mortal Kombat, hein, YouTube. Et puis voilà, à la prochaine. Allez, ciao. Peace.